par un joli samedi de mai, j'allais en stop chez ma grand-mère. J'étais si pauvre et désœuvré, j'avais peur qu'elle me jette à pied. Au lieu de ça, ma grand-maman, qui finalement n'est pas avare, me donna 4000 francs pour que je prenne un bon départ. La route du retour, je l'avais qui m'attendait, carrossée comme une gonzesse, une déesse à 4000 francs. 4000 francs, tiens justement, 4000 francs. Et là j'aurais mieux fait de suivre les bons conseils de ma grand-mère. Au garagiste je donnais la somme d'argent nécessaire. Là sous le clé je démarrais avec un grand sourire aux lèvres. Sur la grande route je partais, rempli d'une sorte de fièvre. Yeah! Capot apparaît de la fumée, un bruit suspect grandit dans le véhicule susnommé. Ah oh. Par chance un écriteau qui m'indique un garagiste où j'ai vu pas de normal en bombe, malgré autant que possible que si que ça grosse et d'eau. Bike, pas de vent, amener cette capricieuse se faire diagnostiquer. L'homme du moteur, le cas bleu, le régional. Je vais te faire la liste des pièces à changer. Les cubus, ils sont tordus. Le carbu, il est foutu. La carrosserie, c'est pourri. Et les rotules, elles s'enculent. L'échappement aux 80, c'est la panique dans l'hydraulique. Et les pneus, ils sont trop vieux. La batterie, elle est tarie. Le plancher est rouillé. Le volant, il est collant. Les clignotants, ils clignotent pas. Et les freins, ça prête pas. Les essuie-glaces, ils essuient pas. Et les phares, ils sont hagards. Le pare-brise, dégueulasse. Et les sièges, plus le cendrier. Et plein de freins à main, c'est pas bien. La boîte à gants, pleine de gants. L'embrayage est hors d'âge. Et en plus elle consomme. Et en plus elle consomme. Et en plus elle consomme. Elle consomme. Panique au sang. Et la horreur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On la lirait pas ou on la lirait parfois? Finalement, ce garagiste me l'a repris pour 500 francs bénéfice net de la journée, j'avais perdu 3000. Finalement, ce garagiste me l'a repris pour 500 francs bénéfice net de la journée, j'avais perdu 3000.